Oiseau damoiselle. Alors nous nous retrouvons sur la partie 5. Hein. Hier c'était vraiment un live marathon, hein. Quasiment 5 heures avec un boss de l'enfer qui m'a bien pris sur ces 5 heures. On va dire allez une heure et demie. Ah, excusez-moi, je chope le téléphone. Voilà, pardon. J'ai eu une petite notification de merde, comme ça arrive à. Voilà, oh là, j'ai dévoilé mon tour de magie de fond vert. Donc, on va se retrouver aujourd'hui pour la partie 5 de cet excellent, je n'aurai de cesse de le dire, de cet excellent Dead Space. Vraiment, je vais me répéter encore une fois, jeu sorti en 2008, excellent 2021. Vraiment, là, on va passer tout de suite... On va reprendre, hein. Voilà, continuer. J'ai mis le son du jeu un tout petit peu plus fort. Donc, on va voir au fil de l'aventure sur le chat. Vous me direz si le son est trop fort ou pas. On avisera ensemble. Donc là, je crois qu'on était vraiment à... On devait repartir prendre le tram. Hein. J'ai le tram, parce que j'habite à Paris, mais bon, le wagonnet, quoi. C'est bon, là. Que je me... Ah bah si, je me plante de direction. Voilà, c'est bien, c'est parfait. Ah bah voilà. Ça commençait bien. Ça commençait bien si on se plantait de direction. Alors, maintenant... Eh bah, on peut aller un peu partout. Qu'est-ce qui manque ? Aller à la passerelle. Alors, je regarde la carte, là, vite fait. Là... Ah bah, la passerelle, elle est bien en hauteur, hein. Donc, on va dire que c'est au niveau le plus élevé, si on n'est pas trop con. On va voir. Regardez, on peut le voir en direct si on se voit sur la carte. C'est magnifique, ça. On se voit sur la carte. On va voir si on atteint... Oh, putain! Oh putain de ta mère! Pardon, un petit peu de vulgarité, ça fait pas de mal en ce début de live. Oh, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais vraiment pas là. Bon, voilà. Ça ne fait que confirmer ce que je vous ai dit en début de live. Un jeu exceptionnel, plein de surprises. Putain, là je suis bien assis. Plus aujourd'hui j'ai eu des... Putain, par contre on a plus de vie, hein. Ah bah tiens, je dis qu'il y a plus de vie, il y a de la vie. C'est bien par là qu'il faut qu'on aille, hein. Oh, tu crois que je t'ai pas vu, toi? Par contre on va te niquer comme ça. Mais non, c'est pas possible. Je l'avais vu. On va essayer de pas gaspiller. Ouais, je dis ça, puis je... J'ai remarqué que je rechargeais un peu vite aussi, de temps en temps. Ce qui me met dans la mouise. J'ai pas besoin de parler si fort. Ce qui me mettait dans la mouise souvent, pendant des fights. Mais c'est fou ça, qu'il meurt pas. Ah, voilà. Oui, souvent, je me bats, je tire. Et puis au final, j'aurais pu attendre un peu. Mais ils sont combien? Et c'est indéfini là? Enfin, si c'est indéfini qu'ils arrivent? Alors. Bon, là, il va y avoir forcément un point là. Ah, voilà. Alors, je sais que j'ai un point. On va l'utiliser tout de suite. Je sais, voilà, j'ai un point. On va le mettre. Le cutter plasma, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon. Alors, on. Soudure impossible, circuit déjà modifié. Bah, oui, c'est parfait. Donc, on peut mettre de la recharge ou de la vitesse. Ah, la vitesse! Améliore votre force. Non, ça, on s'en fout. Le découpeur, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau?
Ah, la durabilité, ça serait vraiment génial. Mais il nous en faut deux là. La durabilité du découpeur, ça serait vraiment quelque chose de formidable. Ah, mais il va bien falloir qu'on investisse à un moment donné. Hein. Et le module de stase, il pourrait durer un tout petit peu plus longtemps. Putain. Ça, pareil, c'est des choix. Hein. C'est des choix. Et pour le trancheur, qu'est-ce qu'on a? On a là la mine, mais qu'on utilise peu. Hein. Et par contre, l'amplitude. Ah là là, mon cœur balance. Dans tous les cas, de toute façon, il va nous en falloir deux. Le fusil d'assaut, on peut faire plus de dommages. Bon, on va attendre d'avoir un point supplémentaire. Moi, je propose ça. On se décidera après. De toute façon, pour l'instant, on peut. Avec un point. On ne peut rien faire. Hein. Désolé de vous le prendre. On peut pas déplacer ça, si, si. Hein. Non, je regarde s'il n'y a pas un truc derrière, évidemment. Bon, là, il sue un peu, là. Il nous demande d'aller par là, c'est bizarre. Ah là, j'ai vu qu'il y avait de la vie là-bas. Hier, on a fait un super live. En plus, je suis ravi. J'ai eu quelques follow. Ça m'a fait vraiment plaisir. Notamment suite au boss. Hein, ce boss infernal en mode difficile. Bah, vous avez certainement dû regarder la VOD. Ou je sais pas d'où vous venez là. D'où vous sortez. Mais vraiment. C'était pas simple. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça s'énerve? J'entends la musique là. Vous avez vu, j'ai mis la musique du son du jeu un peu plus fort pour vous, pour l'immersion. Je crois. Attends, mais là, ça fait 15 fois que je me plante. Hein. On va se remettre de la vie. Voilà. Et surtout, je crois qu'on a la tenue de niveau 4. Je me suis regardé le replay hier. Un peu pour voir le son, tout ça. Et je. Voilà. Elle coûte 35 000. Oh putain, puis on a 9 000. Alors attendez, on va vendre les. Pourquoi il fait ça à chaque fois? On peut pas remonter en haut de la. Ah là là. Il peut descendre d'un coup, mais il peut pas remonter. Allez, semi-conducteur or, vendre. Semi-conducteur, vendre. Ok. J'ai 15 000. Oh, il nous faut la. On économise hein, pour la tenue niveau 4. Hein. Vous êtes d'accord? Nous la faut. Nous la faut. Bon. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai une faculté à me planter. Allez. Normalement, c'est la fin du chapitre. Hein. On n'a plus rien à. Enfin, je dis ça. Mais qu'est-ce que je fais? Putain, déjà que j'ai pas de stase, alors si en plus je l'utilise pour rien. On a pas de copain quoi. Oui voilà, c'est la fin du chapitre. Bon. Bon c'est bien comme ça quand les milliers de streamers de viewers vont arriver, on sera au début du chapitre 7, je crois. Non non, 8. Épisode 7, peur du vide. On va passer au. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a. Non, c'est bon. Je regardais le retour là. Et. Non, non, c'est bon. On est bien. Alors aujourd'hui, oui, vous êtes gâtés. Je me suis mis mon petit sweatshirt. Ah, vous le voyez pas bien, mais regardez. Avec le nom de mon deuxième roman: La dissidence des cancres là. Que je vous invite grandement à lire. Vous tapez Romain R. Martin sur Google. Vous allez voir, les critiques sont dithyrambiques. Je viens de repérer un vaisseau militaire, USM Valor. Je me demande ce qu'il fait dans le coin, mais il a dû recevoir notre signal. On ne peut pas le contacter avec l'antenne HS. Je vais déverrouiller l'accès aux communications. Va là-bas et trouve la station de contrôle. Eh ben dis donc, tu me donnes beaucoup d'ordres. Me donne beaucoup d'ordre, je trouve encore. Bon, allez, on reste motivé comme hier. Oui, hier après les 5 heures là, enfin les 4h30, un petit peu fatigué, hein. Mais je crois qu'on a fait 5h30, hein, un truc comme ça. Hein. La vidéo a beaucoup plu.
Alors ça m'a fait plaisir. Donc du coup, vous voyez en bas là, bon là il y a le chien évidemment. Enfin non, là le chien, voilà, là le chien il est là. Non, juste en bas j'ai mis mon nombre d'amis. Et pour mon anniversaire, ce qui serait bien, bah, c'est qu'on en ait 50. Des amis vidéoludiques. Ça me ferait plaisir ça. On est déjà venu ici. On peut le voir ou pas? Évidemment non. Évidemment que non. Je suis bien tenté quand même de m'acheter... on va essayer d'acheter la... Évidemment, on va essayer d'acheter la tenue, mais bon, ça serait quand même judicieux de s'acheter un kit de soins. Ah ouais. Voilà. Ça fait 5000 en moins, mais... parce que là, je sais pas si vous le voyez. Hein. On va quand même se mettre au clair. On est dans la merde. D'ailleurs, on peut recharger celui-là. Petit kit de soins, on est quand même en mode dur. Hein. Ah oui, on est revenu là. Et là, qu'est-ce qui... Alors oui, qu'est-ce qu'il me demande? Contacter le vaisseau militaire. Ok. Quelqu'un a reçu la balise qu'on a envoyée. Putain, on en a que 7. Alors normalement, il y en a des nouvelles d'ouvertes. J'ai remarqué qu'au fur et à mesure qu'on revenait, elles s'ouvraient. Voilà. Détectée. Activation quarantaine. Oh, je joue mal. Voilà, faut se barrer, faut se barrer. J'ai plus rien. Putain. Et voilà. Ah, c'est le mode difficile. Hein. Et comme son nom l'indique, c'est difficile. Non, mais il va falloir qu'on... il faut prendre une autre arme. Voilà, voilà. Là, ça va être... Faut leur décrocher leur sac à dos, là. Leur sac à dos explosif. Mais bon, ça va le faire. Hein. Pas de problème. C'est moi qui suis... Faut que je me remette un petit peu dans le jeu. Voilà. Pardon. Merde, j'ai plus de balles. Voilà. Putain, mais ils vont vite. Non mais... Ah ouais, faut se remettre dedans, hein. Faut se remettre dedans. Faut se remettre dedans. Je suis tenté. Je suis tenté. Bon, alors, d'envoyer une lame, ça, c'est... il est hors de question. Déjà, on va longer les murs. Déjà, on va prendre ça. Anomalie dangereuse détectée. Activation quarantaine. Putain, il faut que je les stase. Je suis idiot là. Là non mais là... J'ai pas envie d'utiliser mes... Peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse. Hein. J'en ai 4, allez. Ils sont dangereux. Hein. Allez, prends-le le truc. Dangereuse détectée. Activation quarantaine. Thank you.
Voilà, ça c'était beau. Ça c'était du beau jeu, comme dirait Hooper. Ça fait déjà 3 fois que je le cite. Hein. Il y en a encore un? La stase. Allez, allez, on y va bien là. J'espère qu'il n'y en a pas un autre derrière moi. En général, c'est ce qui se passe. Putain. Putain, mais non. Je me suis remis de la vie. Mais quand on... Putain, quand on vise et qu'on se remet de la vie, malheureusement, ah, puis il faut tout refaire. Putain, là, c'est chiant. Là, c'est chiant. Hein. Ah, faut se remettre dedans. Hein. Viens me tuer. J'ai pas vu. Mon dieu. Ah, c'est pas possible. Bonjour à la personne qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à toi. Je sais pas si c'était toi qui étais là hier soir. Le marathon d'hier, c'était fantastique ce qu'on a vécu ensemble. Bon, là, ça l'est un tout petit peu moins. Mais on va y arriver, on va y arriver. On a vu pire, on a vu pire. Activation 40. Voilà. Allez, et là, on fait pas le con. Putain, là on fait le con, justement. Allez, là c'est bon, on a les deux là. Il faut leur couper les jambes.
Oh putain. Putain. Là, je sais plus, là, j'ai plus d'armes. Hein. Des dents de trancheur. Oh putain, c'était chaud hein. Là franchement, là c'est chaud chaud parce que il te file. Allez quoi, il y a bien eu 4-5 mecs avec les sacs à dos explosifs et juste après 3 bah les mecs là, les blackos quoi là. Les nécromorphes noirs, fou 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 fou. Quarantaine levée, merci. T'es gentil. Bon, on loot, on loot. On loot. Ah bah merci. Triple kit de soins, je dis pas non. Bon, chapitre 8. Hein. Je vais aller faire vite fait le tour là. Normalement, il devrait y avoir... Ah, voilà. Des lames découpeur, très bien. Il faudrait que je l'upgrade hein, le découpeur. Hein. Je l'utilise énormément. Regardez ça. Dans l'inventaire, on a. Putain, non, on en a je sais pas combien des lames de découpeur. Elles coûtent pas cher. Enfin, elles coûtent pas cher. On en a une multitude. Qu'est-ce, il me demande d'aller où là? Bon, déjà, je fais une save. Hein. J'ai pas envie de refaire tout ça. Non, merci madame. Yes, merci. Donc. Et là, du coup, il me demande... Ah, on prend l'ascenseur. Eh oui. Oui, alors, parce que quelqu'un a réceptionné notre balise. Allez. 1, 2, 3... Mais qu'est-ce que tu me fais? Ah oui, pardon. On peut pas aller... On va au niveau 3. On peut pas aller au niveau moins 1. Oui, ma clope. Isaac, la porte oui. Des communications est ouverte. Mais j'ai capté plusieurs signaux suspects sur notre fréquence. J'ai bien peur que quelqu'un ne nous écoute. Fais attention. Ok. C'est peut-être Nicole. C'est peut-être ma femme. Excusez-moi, je lisais une petite, petite notification interne à Twitch qui me disait que j'étais un enculé. Pas très bien compris le sens. Je serais tenté de mettre tout de suite le double. Hein. Et je le fais manuellement parce que si je fais l'autre, il va me... Voilà. J'ai pas envie qu'il utilise celui de 3. Hein, vous aurez compris pourquoi. C'est bon là. Quoi? Il est pas mort? Putain, mais c'est quoi ce délire? C'est lequel que j'ai pas vu là? Ah, il est là! C'est bon. Ils en ont de plus en plus des mandibules, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Moi j'ai remarqué. J'entends encore une merde hein, qui bouge. Ah mais oui.
Quelle horreur. Bon, pour l'instant, il est en train de bouiner son truc. On va pas le déranger. On va sauvegarder. On a plus de trancheurs. Je fais une petite sauvegarde. Petite sauvegarde de confort. Hein. Une petite sauvegarde de confort, ça. Comment on le fait? Mais j'ai bien envie d'y aller à la bourrin, là. Allez, on tente. Ah, bon, on a une autre réponse. Hein? Je sais pas ce qui m'a explosé à la tronche, mais bon... C'était pas comme ça qu'il fallait faire. Bon, on a bien fait de la faire, la petite sauvegarde de confort. C'est bon là? Ah, pas mal. Là, on a bien joué là. Là, c'est du bien joué. Ok, je refais une sauvegarde. C'est un petit peu con, mais bon, des fois les checkpoints sont pas top. Alors bon, voilà, je vais encore perdre 50 viewers parce que j'ai fait une sauvegarde un petit peu hâtive. Je m'en excuse. Toutes mes confuses. Putain, j'avais pas vu qu'il m'avait refilé des lames de trancheur. Ça, c'est très bonne chose. Et toi, tu m'as rien donné, toi? Ah si, quand même. Parce que sinon, ton pote aurait été bien plus gentil. Hein. Bon, on nous dit d'aller là. Bon, évidemment, on a envie d'aller là, mais on peut pas. Bon, on y va. On va vers l'antenne. Alerte. Manipuler avec précaution. On va faire ce qu'on peut. Eh oh, salut mec. T'as pas l'air d'aller. Alors lui, on le connaît pas. C'est quoi ça? Là, on a fait une erreur, c'est qu'on les connaît pas. Putain, mais va te faire enculer. Vous savez quoi, je me laisse me faire tuer. Parce que là, j'ai... Oula. Ah, il rentre dans ma tête. Ah la vache! Ah, j'avais jamais vu. Ah, c'est génial. Ah, je n'avais jamais fait attention à ça. Et on devient un nécromorphe à notre tour. Putain, mortel. Qu'est-ce que t'en penses, toi, le chien? Non, c'est là. Non, je sais plus. Non, c'est là, voilà, comme ça. Voilà, alors qu'est-ce que t'en penses, toi, le chien? Toi, tu t'en fous, le chien, du moment que t'as ton flingue dans la bouche. Ah oui, mais du coup, il faut qu'on... Ah non, il est mort, oui, j'ai fait ma sauvegarde de confort. Eh bah oui, elle était bien confort. Donc faut pas les prendre à la rigolade, ceux-là. Bon, je suis con parce que en fait, je pense que je peux les avoir au découpeur. Hein, fermé? Ah oui, non, pardon. Oh là là. La vieillesse. Eh ben dis donc. Mais merde, putain, on va te faire enculer. Putain, mais ils sont infernaux. C'est bon là? Du coup, on avait loupé tout ça. Hein? On avait loupé un petit peu tout ça.
Non, on a bien fait, on a bien fait. Bon, le semi-conducteur en or, ça nous intéresse énormément parce qu'il nous faut absolument du conjoint hard, la tenue de niveau 4. Non, toi, c'était pas toi que je voulais. Mais c'est pas toi que je veux. Je veux ça. Putain, je fais ça pour pouvoir accéder à la porte et c'est pire. Je suis bien tenté, enfin j'ai bien envie, on a toujours qu'un point. Hein. Je vais le garder parce qu'il va forcément y avoir une porte qui va nécessiter un point de force. Donc c'est toujours bien d'en avoir un sur soi, surtout quand on sait pas quoi en faire pour le moment. On va le garder là. Pour le moment on va le garder. Par contre niveau stase... on est toujours aussi... Petite transmission. Journal de bord radio. Premier opérateur Bellet hors rapport. Le vaisseau est attaqué, mais le capitaine Mathius refuse catégoriquement l'envoi de tout appel de détresse. Il ne le dit pas, mais tout le monde connaît la raison. C'est une zone condamnée, et notre vaisseau n'a pas le droit d'être ici. On le savait tous, et on faisait avec. Mais maintenant... Mayday, Mayday, Mayday! Ici, USG, ici moi. Ici... Je peux pas croire ça. Tout le système est coupé. Ça va trop loin, là. Terminé. Pas mal, cette petite séquence. Tu pars dans le doute, je l'ai découpé. Hein. Enfin, j'ai pas réussi, mais... C'est pas mal. Quel pied ce jeu. Quel pied de le refaire en 2021. Il a pas pris une ride. Hein. Même au niveau de la maniabilité. Je vous dis à la limite. Antenne communication HS. Un technicien a été prévenu. L'antenne est dans un sale état. Il nous faut au moins 6 émetteurs pour que le signal fonctionne. Fais attention à bien les aligner de façon symétrique pour l'optimiser. Ok. Ça marche. Oui, je disais à la limite, la seule chose qui me manquerait, si s'il y avait remake, tiens, on va virer la souris là. On peut pas. C'est pas grave. S'il y avait un, ça serait de juste de le polir un petit peu, mais bon, il est déjà très beau là. Là, je l'ai mis en, je sais plus la résolution là, elle est en HD là. Bon, vous Laurence, moi je joue en, bien sûr en HD, enfin. En 4K, mais vous l'aurez en 720, parce que quand je stream en 1080, hélas, ça se ressent et ça pixelise un peu. Alors je préfère vous donner un beau 720, en plus vous êtes sur vos portables ou vos tablettes, hein, vous regardez pas ça sur vos télé. Donc on a un beau 720, enfin un beau, un pas trop... Ah, putain, je confonds ma jambe avec mon bras... Voilà, j'essaye de faire au mieux. Mais là, normalement, le son est bon. Là, aujourd'hui, j'ai regardé beaucoup de tutos pour essayer de parfaire ceci. Parce que je sais que c'est un confort quand même, le son. Et puis pour l'immersion, que le son du jeu soit pas trop bas. J'ai augmenté un petit peu par rapport à hier. Je pense que là, on est bon. Là, on est bien. Là on frôle le... Là, les 10 000 views, les 10 000 follow, l'affiliation, tout ça, c'est ce mois-ci. Hein. Là, je le sens, là. Encore un point de force. Ça nous en fait 3. Hein. Une petite, petite vie. Un semi-conducteur, ça, c'est cool, parce qu'on a besoin de pognon, absolument. Et des lames découpeurs. Ok. Tout est rechargé. Voilà, le flingue est rechargé. Ok. Donc on va aller remettre les antennes. Ce qui veut dire qu'on va être obligé d'aller dehors. Hein, si j'ai bien compris. La logique. En général, les antennes... Je suis pas expert. Mais c'est dehors. Caution. Entrée zone sans gravité. Ok.
Donc déjà j'en vois deux là. Ok, vous venez là, moi je me casse. Allez, vous revenez quand vous voulez. Ils sont trois maintenant. C'est pas mal démerdé là. Là c'était pas mal. Là c'était du beau. Il y a eu du beau jeu là. Je vous gâte. Là on est vendredi soir, vous êtes gâtés. Déjà hier vous étiez bien gâtés. Ma femme a regardé le stream et elle m'a dit: dis donc tu les gâtes hein. J'ai fait bah bon, ils ont l'habitude aussi maintenant, tu sais. On s'habitue à tout. Donc là il faut qu'on réaligne les antennes. Déjà, il y a une petite caisse là qui me tend les bras. Ah, elle veut pas venir ? Ah si. Ok. Donc l'idée, si j'ai bien compris, bon celle-là elle est HS. Hein. Ouais, celle-là elle est complètement HS. C'est d'aligner les antennes. Alors celle-là elle n'est pas HS. Et alors? Alors, celle-là on peut la prendre. Attends, il faut que je comprenne un petit peu l'idée. On est dans une pièce comme ça. Il y en a deux là-bas. Ok, donc il faut changer celle-ci avec celle-là. Ok, c'est ça hein, l'idée hein. C'est celle-ci, il faut que je change. Ok, et maintenant je l'ai balancé où l'autre? Mon dieu. Ah parce que là 1, 2, 3. Il y en aura deux à changer hein. Et elle est où? Bon là, la rouge elle est là. Bon, j'ai toujours un petit peu de merde dans les yeux, ça c'est pas... Ça n'a pas changé. Bon. Ah, elle est là. Elle est bien là. Bien là, petite coquine. Voilà. Ok. On va aller là. On va virer celle-ci. Ok, si on regarde le graphique, voilà, on en a 3. Alors j'espère que c'est celle du centre hein, qui me demande de faire, hein, et pas celle extérieure. Non, c'est bon, ça m'a l'air d'être bon. Et alors par contre, où est la quatrième? Il me dit qu'elle est complètement à droite. Ah oui, je la vois. C'est celle-ci. Ok. Ok, Coco. Allez, viens. Viens avec moi. Allez. Allez, 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 t'es où? Te barre pas. Voilà. Voilà. C'est bon, hein? Ah, il en faut une cinquième.
Et elle se trouve ici. C'est parfait, hein. Je suis surpris qu'il n'y ait pas des nécromorphes qui pop pour nous gâcher la fête. Ok. Allez. Non. En fait, je l'avais. Ok. Et elle est... Il y a un petit côté... Solaris. Mais merde, pardon. Où est-elle? Je l'ai lancée. Elle a dû rebondir. Elle est où? Merde. Je la vois pas. Je vais changer de point de vue. On va changer vite fait de point de vue. Vous la voyez, vous? C'est quoi ce délire? Attends, mais j'ai mis... Ouais, je suis pas fou quand même. Enfin si, mais pas pour ça. Putain. Elle a dû rebondir dans un coin. En plus, c'est pas évident. C'est pas évident de les repérer. Allez, je vais la voir là. Où elle a rebondi? Ça, c'est là. Ça serait celle-là? Hein, c'est ça, hein. Bah oui, elle est pas cassée. Je suis con, c'est parce qu'elle était rouge, alors je me suis dit c'est pas la bonne, mais si. Allez. Allez. Parce qu'en fait, c'est qu'elle soit rouge, c'est normal, elle est pas branchée. C'est les autres qui sont cassés. Bah non, bah c'est ça. Oui, c'est celle-là. Bien, du coup, j'ai retrouvé la bonne. Bon, allez, hop. Cherchez pas à comprendre. Voilà, c'est bon. Transmission en 30 possible. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est bon. Parfait. Reviens à la salle des communications et envoie nos coordonnées à l'USM Valor. Ça marche. Ça marche, Poupoule. Bon. Ça, c'est réglé. Bon, je sens le... Là, c'est trop calme. Hein, avec sortie la... zone sans gravité. Avec la petite musique, là, bien trop légère à mon goût. Je sens que ça va bastonner. Enfin, on s'est compris, hein. Ça peut pas se passer si bien. On est quand même en mode dur et on a été habitué à que ça soit l'enfer à chaque fois. Ne serait-ce que... Allez, je lance la communication. Attends, je regarde si je peux pas... Je fais une petite sauvegarde avant. Petite sauvegarde de confort. Parce que, bon, il y a quand même quelques checkpoints un peu dissidents. Et des fois, de retour faire, c'est un petit peu... J'aurais pas avoir la mauvaise surprise. Ici l'USM Valor, nous transmettons sur toutes les fréquences. Salut, de l'USG Ishimura en réponse à votre SOS. Nous avons recueilli une de vos capsules de sauvetage et sommes en route vers votre position. Ce message se répétera toutes les 30 secondes jusqu'à votre réponse. J'espère que tu vas bien. Ça ne serait pas la capsule Kamand à éjecter? Une de ces choses s'y trouvait. Oh merde. Non, ça se passera pas comme ça. USM Valor, répondez! Le signal n'est pas assez fort. J'ouvre la baie des propulseurs pour augmenter le signal. Erreur. Baie des propulseurs bloquée. Ouais, elle va encore avoir besoin de moi. Merde! Isaac? Ouais. Il y a quelque chose sur la coque externe, vers l'antenne des communications. Ça semble organique. Je ne sais pas ce que c'est et je m'en tape. On doit ouvrir la baie pour que le Valor nous reçoive. Je pense que tu auras un bon angle de tir au canon 48. Va là-bas et éjecte cette chose dans l'espace. Oui, bien sûr. Tu veux pas le faire, toi? Hein, c'est pas parce que je m'appelle Isaac qu'il faut prendre pour un Untermensch.
Petite blague que comprenne qui peut. J'aime bien là le petit passage. Je me suis pas focalisé sur lui. Je me suis pas focalisé sur lui. C'était un leurre. À l'évidence, c'était un leurre. Il faut absolument qu'on l'upgrade hein, ce découpeur. Hein. Putain, chaque fois qu'on se fait toucher, on perd la moitié de sa vie. Hein. Le mode difficile est vraiment difficile. Hein. On n'a pas le droit à l'erreur. Hein. C'est fou, là, je viens de consommer deux trucs de vie, quoi. Combien on a de sous, là? C'est pas marqué les sous? Contacter le vaisseau militaire, oui, d'accord. Oui, non, j'ai pas envie de réécouter. Bon, là, on a des points. Moi, je serais d'avis de le mettre sur le découpeur. Hein. Voilà, le découpeur. On a 3 points. On peut faire quoi? La durée. Ou la capacité, c'est quoi? Ah oui, d'en avoir plus sur soi, mais non, on s'en fout de ça. La recharge, on s'en fout aussi. Putain, non, ce qu'on voudrait, c'est le dommage. Ça coûte cher. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 points sinon? Le trancheur, on en a pas souvent. Hein. La mine. La recharge. Putain, le dommage, il est loin. Hein. 1, 2, 3. Et le cutter plasma, bon, c'est comme celui qu'on utilise le plus. C'est que de la merde, hein. Je suis désolé. Module de stase, énergie, améliore l'énergie de 20 points. Moi je serais tenté de le découpeur. Et pour qu'on arrive à la durée. Allez, on fait les fous. La durée sera plus longue. Et puis après, avec 2, on arrivera au dommage. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Son, hein, c'est fait. Hein. La durée est un peu plus longue. C'est pas vraiment le mieux hein, qu'on puisse faire, mais bon. On aurait pu. Ouais, on n'a pas trop de choix. Donc il veut que j'aille me débarrasser d'une petite... Bah, ça va être une grosse bestiole, hein, vu qu'elle me demande d'utiliser le canon. De toute évidence, ça va être encore de la violence. Hein. On s'apprête encore à officier dans la violence. Quand même malheureux. Hein. On est en 2021, et ben qu'est-ce qu'on fait dans les jeux vidéo? Bah ben voilà. La violence. Et vas-y que je te tape, et vas-y que je te tue. Bon là, c'est vrai que là on démembre. Ce qui est quand même un peu plus jouissif entre nous. Ah, il s'est ouvert tout seul. Comme pour me dire bonjour. Je vous jure qu'il s'est ouvert tout seul. Allez, on va recharger. S'il me donne des balles de flingue. Oui, vous avez vu là comment c'était caché là? Elle était cachée celle-là, hein? Ouais, non, c'est sûr. Il me donne des balles de flingue, donc là il va falloir le flingue. Eh ben on est retourné à notre petit canon. Qui était beaucoup plus sympa à la souris. Alors on va essayer de le faire à la manette.
pilotage manuel initialisé. Ou alors on le fait à la souris, hein. Faut lui tirer dessus, là. Résistance coq 2. Agnès à bord de l'USG Ishimura. N'ouvrez surtout pas la capsule. USM Valor, ici Kenra Agnès à bord de l'USG Ishimura. À vous. N'ouvrez surtout pas la capsule. Bon sang, attendez. Oula, 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 oula. Ce qu'elle dit. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Non, ça fait partie du scénario là. Ça fait partie du scénario. J'aurais simplement aimé parler à quelqu'un. Oh, tout est allé de travers. C'est Nicole. Isaac. Isaac, vous êtes là? Dieu merci, vous êtes là. J'ai essayé de vous joindre, mais quelqu'un bloquait mon signal à distance. Cet accident a sûrement brouillé les signaux. Amand, vous étiez où? En enfer, ou pas loin. J'ai réussi à trouver de quoi me soigner et survivre. Écoutez, on laisse tomber cette sale mission. Que cette foutue compagnie aille se faire voir avec tout ça. Il faut qu'on sorte de ce pétrin. Je crois qu'il y a une navette sur le pont d'équipage. D'après les registres, il lui faut un nouveau réacteur, mais on devrait pouvoir récupérer celui du Valor. Je peux voir l'arrière de l'appareil dépasser d'un côté de l'Ishimura.
Je vais tenter de me rapprocher pour trouver une entrée. Je vous retrouve là-bas. Terminé. Isaac, s'il y a bien une navette sur le pont d'équipage, on peut avoir une chance de s'en sortir vivant. Va vers la zone de chargement et regarde si tu peux l'aider. Dans son état, il tiendra pas longtemps. Elle est bien négative hein, à son sujet depuis le début du jeu. Hein. Il va mourir, il est pas bien, il est vieux. Allez, non. Qu'elle aimerait qu'il crève, que ça m'étonnerait pas. C'est le sentiment qu'elle me donne. Hein. Elle est pessimiste. Voilà, c'est ça. Elle est pessimiste au niveau de, du Black. Hein. Ah, t'as vu, il est mal portant. En gros, c'est... Oh, si tu pouvais l'abandonner. Hein, ça ferait une place de plus dans le vaisseau. Ok. Oula, oula, oula. Mais voilà, putain, exactement ce que je voulais pas. Alors, on va voir... Ouais, elle dure pas beaucoup plus longtemps. Hein. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déception. Bon, petite sauvegarde de confort. Sauvegarde de confort. Là, on n'a rien oublié. Hein. Bon, il y aurait une navette qui nous permettrait de se barrer d'ici. Bah, on va au niveau 2. On n'a pas le choix. Faut pas que j'oublie que j'ai de la stase. J'ai de la stase. Ah. Bon, on est revenu. J'aime pas cette salle. Hein. Oh là 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 là. J'aime pas cette salle. C'est l'arme que j'ai trouvé la plus efficace parce que j'ai pas acheté le truc PK là. Bah en hard faut faire des choix hein, et j'ai acheté beaucoup de points de force à 10 000. On peut pas acheter toutes les armes. Hein. Là on a combien? Je crois qu'on a des trucs que dans l'inventaire on a des. Voilà, semi-conducteur rubis. À 10 000. Putain, on va pouvoir s'acheter la tenue 4. Oh putain. Oh putain. On va être beau là. Vous êtes prêts? Merde, pardon. Acheter. Vous êtes prêts là? Un grand moment. Hein. Mais elle est où? À 35 000. Mais il nous manque que dalle. Attendez, attendez, on vend quelque chose. Des lames trancheurs là. Voilà. Ah putain, j'ai vendu les lames trancheurs. C'était les lames découpeurs qu'il fallait vendre. Je suis trop con. Oh putain. Non, 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 j'ai vendu les bonnes. J'ai vendu les bonnes. Autant pour moi. Bon, là par contre, on peut se l'acheter. Niveau 4, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Vous pouvez faire des clips là. Là on est beau là.
caméra qui merde. Un petit peu déplacé. Là, on va ressortir tout beau, là. Et voilà. Isaac Clarke is in the place. Bon, normalement là, c'est plus confort au niveau des attaques. Je vais prendre des dents en trancheur. Hein. Et voilà. La meilleure défense, comme vous le savez, c'est l'attaque. Donc là, normalement, on est quand même plus armé. Enfin, armé, façon de parler. Voilà. C'est curieux qu'il n'y ait rien de soit sorti. De ce nécromorphe. Ok. Ah, c'est la fin du chapitre. Hein. Court chapitre. Pardon. Un chapitre assez court. On est vraiment au bout de l'UGC Ishimura là, vous voyez. Donc c'est là où ils foutent l'antenne, au bout. Ok, l'épisode 8, enfin les secours. Oui, c'est un petit chapitre d'une heure. Bah, faut dire qu'il n'y avait pas de boss. Il n'y avait pas de boss où on passait. Alors là, du coup, on va à la cul. Mort à l'arrivée. Là, maintenant, on est au cul. On est au cul du vaisseau. En même temps, un chapitre, oui, bien sûr, plus court. Donc, je vais vous le dire après. Écoutez, dans la merde, porte ouais. Des munitions et des missiles. Sa présence n'a rien d'une coïncidence. Il n'était ni en reconnaissance, ni en patrouille. C'est une machine de guerre. Il venait là pour détruire quelque chose. Vous m'entendez? Oui. Isaac, je l'ai encore perdu. Je ne reçois plus le signal d'Amund. C'est toi qui l'as coupé. Trouve-moi ce réacteur et décampe de là en vitesse. On me dit pas tout. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, il n'y avait pas un boss qui nous a retardé pendant une heure. Surtout ça. Je m'achèterais bien. Parce que là, on a ramassé un petit peu de pognon. Quand même, un petit truc de vie. Hein. Ce serait pas du luxe. J'ai 2500. Allez. On peut s'acheter qu'un mini kit de soins. Bon, on l'achète. Non, on est en mode hard. Il faut un tout petit peu de vie quand même. Oh bah putain, il m'en donne un là. C'est pas grave. Ok. Un point de force. Ah non, recharge d'air. Bon, la recharge d'air, vous vous souvenez, on s'est déjà upgradé. Donc on a un peu plus d'air que d'habitude. Zone sans gravité. Isaac, quand le Valor s'est écrasé, une capsule sensible s'est ouverte. Ces orbes verts sont extrêmement radioactifs. Ils ont déclenché une quarantaine. Tu vas devoir les jeter dans l'espace si tu veux pénétrer dans le vaisseau. Ok, il faut que je les jette dans l'espace. Moi, je veux bien. Mais où est l'espace? Comment, d'où? Ok, on doit pouvoir ouvrir quelque chose. Le fil d'Ariane, heureusement. Voilà, on va ouvrir ça. Non, ça c'est une pompe à oxygène. Je me demande d'aller là. Faut qu'on nique ça.
J'ai bien envie de l'utiliser, de pas utiliser mes, je vais utiliser mes trancheurs. Ça coûte moins cher. Il court plus vite quand il est en diagonale. J'ai remarqué. Ok. Et maintenant ? Bon, sachant qu'il y a la bonbonne de... Putain. Ok, on est là. Je vois rien, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Ah putain! Qu'est-ce qu'on a ouvert? Oh putain, je l'ai pas vu lui. Oula, allez. Secondes. Ok. Allez, on se re-téléporte vite fait là-haut. Il est où le truc pour l'oxygène? Il est là, hein. Eh bah putain. Ouh. Bon, ils sont où les trucs là? Ah, ça me nique. Pourquoi je suis mort? What the fuck? Mais je suis mort de quoi? Je l'avais balancé là, la truc là. Isaac, quand le Valor s'est écrasé, une capsule sensible s'est ouverte. Ces orbes verts sont extrêmement radioactifs. Ils ont déclenché une quarantaine. Tu vas devoir les jeter dans l'espace si tu veux pénétrer dans le vaisseau. Oui, d'accord. Donc on est là, là-haut ça va s'ouvrir, ok. Mais pourquoi ça m'a tué? Qu'est-ce qu'il y a là-bas d'ailleurs? Ça me tente. Non, je peux pas y aller. Ah si. Alerte. Au niveau de radiation détectée. Verrouillage lancé. Ah, on a une voix d'homme. C'est la parité. Alerte. Au niveau de radiation détectée. Verrouillage lancé. Bon, bah on le refait, hein. Le checkpoint aurait pu être plus sympa et de me mettre... Enfin bref. Je devais en avoir une dans le dos ou un truc comme ça. Bon, ils sont où ? Dans mon dos. Ah voilà, ici. C'est marrant, c'est pas les mêmes ennemis. Je
Putain, mais va te faire foutre. Là, j'ai fait n'importe quoi. Putain, 18 secondes. Mais je peux le staser, hein. Pourquoi je le fais pas? Putain, mais je suis une buse, hein. Bon, voilà, on a quand même je préfère faire ça dans l'ordre, on prend notre temps et après on règle cette histoire de le balancer dans l'espace. Alors par contre, je vois pas où pour eux c'est l'espace. Allez. On va les balancer petit à petit. Ah voilà, c'est pour ça que ça faisait du bruit. J'ai dû me faire tuer par elle. Non. Putain, mais je suis vraiment un con, hein. Couillon là, hein. Ces passages là, ça fait la deuxième fois qu'il y a des passages comme ça un petit peu où on doit se débarrasser de trucs. Si c'est un tout petit peu moins long, ça serait un petit peu mieux réussi. Voilà, comme ça. Ça, c'est pas mal. On va se remettre un petit peu d'oxygène. Par contre, je vois toujours pas où on les balance. Ah, on les balance là. Et oui, et comme je suis un malin de naze. Voilà. Déchets radioactifs retirés. Déchets radioactifs retirés. Merde, mais. Quelle naze. J'ai perdu une. Pour rien. Je peux pas l'atteindre là? Allez, sois pas salaud. Putain. Comment on redescend déjà? Non mais c'est pas par là en plus. Ah mais si, mais que je suis con, on peut balancer. La sortie est juste là, putain. Je suis couillon. Ou alors, je suis à l'envers et puis j'ai pas fait gaffe.
Non, non, voilà, non, non, c'est... Voilà, j'ai pas besoin de les tirer. Déchets radioactifs retirés. Bon, ça dure 1000 ans pour rien. Je suis désolé, là, on était 10 000, j'ai perdu 200 viewers, là. Avec cette petite histoire de balle. Attends, attends, je sais pas où elle est. Que je me la reprenne pas sur la tronche. Oula, 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 oula. Non! Ce plaisir là. Là, c'est du grand moment de gameplay. Bon, on va aller chercher les autres hein, en attendant. Ah mon Dieu, c'est pas passionnant là. Hein. Bon, lui normalement ça devrait pas te poser trop de problèmes. Bah si, justement. Voilà. Déchets radioactifs retirés. Déchets radioactifs retirés. Il reste un. Je vais juste me remettre un coup d'oxygène pour être sûr. J'espère qu'ils vont pas nous faire le coup qu'il y a un boss ou un gros monstre et puis qu'on soit obligé de. Hein, vous m'avez compris quoi. Bon, il reste laquelle là? Ah bah elle est là. Petite boule là. On va se mettre là. C'est un enculé, il me demande de me mettre tout près d'elle. Allez! C'est un petit peu au petit bonheur la chance là. Hein. Puis là, c'est carrément foutu dans le coin. J'ai vraiment pas de bol. Hein. Allez, casse-toi! Pas le pot là, hein, comme on dit. Dans le Jura. J'ai pas le pot. Puis avec le bip, on a à moitié parano alors qu'il nous reste largement le temps. Je suis où là? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais c'est facile de d'être complètement désorienté, hein. Vous voyez, il y a le bip 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 alors qu'il reste quand même 25 secondes quoi. Allez. Normalement elle est pas loin. C'est marqué quoi là? Valor, ok. Putain mais bon Ah mais voilà, t'étais là. Alors c'est toujours quand c'est le plus près que c'est le plus chiant. On va la prendre. C'est bien ce que je pensais. Voilà, là elle va tomber, elle va tomber. D'elle-même, elle va tomber là. Allez. Sans déconner. Tu peux pas rester elle m'empêche d'aller prendre le. Regardez ce qu'on va faire. À faire comme ça. Voilà, voilà. Là, tu tombes de toi-même. Toi-même, tu sais. Putain, mais c'est pas possible. Bon, allez, ok, j'ai compris. T'es une
petite. T'as décidé de faire dissidence. Allez, c'est bon. Danger éliminé. Arrêt verrouillage. Allez, ok. On retourne à la porte. Elle était où? Elle est là. Oui, mais derrière tout cet amas de merde. Voilà, c'est bon, on y est. Voilà. Pas mal foutu quand même. Ok, bon, c'était un peu chiant, hein. Pas vous mentir. Mais vous en êtes rendu compte. Dis donc, toi, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Tu serais pas un black bloc? T'étais pas en train de foutre le feu de poubelle là? Le réacteur se trouve dans la salle des moteurs à l'arrière du vaisseau. Le Valor a l'air sacrément endommagé, alors j'espère que tu trouveras un chemin jusque là. Ouais, c'est gentil. Bon, normalement quand il y a une save, c'est qu'il n'y a pas de monstre. Mais bon, j'ai aucune confiance dans ce jeu. Oui, la séquence là, c'est curieux parce que ça fait deux séquences où on doit se débarrasser d'astéroïdes à la suite. Ce qui est quand même quoi. Non mais lui là déjà, il me fuit depuis tout à l'heure. Je trouve ça très curieux. Ça laisse subodorer à un ennemi. Non, en fait, faut les pousser, mais pas comme ça. Les soldats réagissent bizarrement au processus d'infection. Leurs armures étaient toutes équipées de modules de stase. On dirait que l'infection assimile l'énergie des modules de stase. Ça les fait bouger plus vite. Prenez garde. Ok, donc il faut que je les stase, quoi. Si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris ce que tu voulais me dire. Pas certain de ce que je suis en train de faire, mais je le fais avec un grand plaisir. Je sens qu'il y a un point de force qui est caché quelque part. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un genre là. Ça c'est du joli. Voilà, ça on l'a gagné, c'était gratos. Ça y a pas besoin. On peut plus passer là, hein. On est bien d'accord. Ah si. Je vais prendre ma grosse arme. J'ai aucune confiance. Heureusement que je fais du tai chi et de la sophrologie. Oh, puis me remettre là, c'est vraiment. Voilà, ça c'est ce que je regrette. C'est ce qui m'emmerde dans le jeu. C'est d'avoir tout. Réagissent bizarrement au processus d'infection. Tout avoir à se retaper. Leurs armures étaient toutes équipées de modules de stase. On dirait que l'infection assimile l'énergie des modules de stase. Ça les fait bouger plus vite. Prenez garde. Bon. On va déjà les tuer. Ça ne peut pas passer, hein.
Non, non, il faut vraiment faire tous merdier avant. Bon, attends, s'il faut tous faire merdier avant et mourir à chaque fois, ça risque d'être un peu complexe. Vous me l'accordez? Qu'est-ce que j'ai comme arme là qui peut faire la différence? Ça c'est il est puissant hein, celui-ci hein. Faut pas que j'oublie hein. On va passer à celui-là et après. C'est chaud. C'est un petit peu chaud là. C'est chaud chaud. Pour me supporter, enfin pour me supporter, pas dans le sens de me supporter que je sois chiant, n'hésitez pas à me faire un petit coucou sur le chat. Je me sens moins seul. Je suis quelqu'un de très, très sensible. J'ai l'impression qu'on aurait pu le tuer là d'ici. Hein. Leurs armures étaient toutes équipées de modules de stase. On dirait que l'infection assimile l'énergie des modules de stase. Ça les fait bouger plus vite. Prenez garde. Ouais, j'entends bien, mais... Coco. Non, mais il aurait fallu que... Quand ils étaient loin, il aurait fallu que je bourrine, quoi. Ça a été mon erreur. Ça a été ma grande erreur. Tiens, puis maintenant c'est de la bouffe. Ah oh là là. Ah mais j'ai bien compris hein, ce qu'ils veulent que je fasse, mais. Le premier. Ça c'est fait. Oh putain mais... Qu'est-ce que tu veux faire? Ils arrivent à 3 à une vitesse impossible. Mon dieu, je casse la table moi. Je me mets torse nu là, je casse la table. Bon déjà on va se mettre torse nu. Non pas véritablement. Ouais, je vois tout de suite là. Je vous vois faire des photos, des captures d'écran. Vous croyez que j'ai pas eu votre âge? Vous croyez que je sais pas ce qui se passe? En plus je vais vous gâter. J'ai un super t-shirt. Au-delà de ma musculature d'athlète, vous allez pouvoir admirer mon magnifique t-shirt, pardon, Resident Evil 2. Hein? Oh, tout le monde n'a pas ça. Vous en conviendrez, hein? Quand je dis que je vous gâte, hein, c'est pas des paroles en l'air. Hein? Un petit c'est chiant que le micro ne permette pas de bien le montrer, mais voilà. On est bien, voilà. Et en fait, on peut pas le voir. Hein. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui gêne? C'est le micro? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est l'ombre du micro. Oh, putain, on est dans la merde. Bon, allez, voilà. Les puristes l'ont vu. Après, ils le revisualisent par eux-mêmes. Bon, qu'est-ce qu'on fait? En fait, faut du trancheur, quoi. Bon, on essaie d'y aller au plus rapide. Hein. Les soldats réagissent bizarrement au processus d'infection. Leurs armures étaient toutes équipées de modules de stase. J'ai l'impression que ça va être un passage chiant là. L'infection assimile l'énergie des modules de stase. Ça les fait bouger plus vite. Prenez garde.
Ouais, je prends garde. Putain, et en plus, on a la tenue de niveau 5. Alors imaginez si on l'avait pas. Je vous laisse imaginer le... Attends, ça, faut déjà le coucher. Ça sert à quoi de la bouger d'ailleurs celle-là? Vu qu'on peut pas passer. Elle sert à rien celle-ci. C'est du vent. Ah, j'ai entendu un... Ah si. Ah, il nous file des découpeurs, ça prouve bien qu'on en a besoin. Hein? Sinon il n'en donnerait pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut bien dire quelque chose. Bon, le micro là, il est... Voilà. Ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire quelque chose. Bon, là, je suis bien, là, je suis joli. Ouais, c'est bon. Oui, parce que c'est... ma mère m'a dit, c'est pas tout de streamer, Romain. Faut être joli. Je lui ai dit, oui, maman. Ah, comme ça qu'on répond à sa mère. Bon, j'ai répondu quand même. Je vais répondre normalement, quoi. Allez, là. Putain. Il y en a un autre, normalement. Je l'ai déjà ramassé. Bon, là, il va falloir être technique. J'en ai 5. Sachant que j'ai pas de vie. Bon, on va se remettre... Ah si, j'ai de la vie, en plus. En plus, j'ai de la vie, quoi. Faut pas déconner. On bourrine. Pas mal. C'était ça. Ils sont pas très très solides, mais alors putain, ils bougent vite, quoi. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Évidemment que si. Puis moi, j'ai plus de stase. Hein. Alors, je vais pas mourir ici. Hein. Je vous le dis tout de suite. Oh, je sens. Je sens qu'il y en aura un autre. Oh là là, j'ai pas confiance. On va se cacher derrière les... Merde, mais dans le feu en plus, mais quel con! Il est mort? Il s'est fait baiser? Il s'est fait baiser par le... Par ça. Donc ça valait un petit peu le coup de courir comme un con. Comme un dératé. Bon, qu'on se fasse pas avoir nos noms aussi. C'était mon idée, mais j'étais pas sûr qu'il se ferait avoir. Il a rien lâché. Non, il a rien lâché, enfoiré. Enfin, pardon, coquin. Bah dis donc. Drôlement mal rangé ici. Bon, j'espère qu'il y a... Ah, c'est Nicole. Elle a toujours des petits messages un peu tendancieux, hein, Nicole. Hein. Bon, j'ai pas l'esprit mal placé, mais elle m'y incite. Elle m'incite un peu. J'ai l'impression qu'elle veut m'inciter à la débauche. Hein? Oh, quel sentiment vous avez, vous? Mais moi, quand je l'entends parler comme ça, un petit peu l'impression qu'elle m'incite à la débauche. Enfin, il y a tentative. Je dis pas que ça fonctionne. Hein. Attention. Hein. Isaac, je localise votre position, mais je ne peux pas vous rejoindre. Ce vaisseau est presque coupé en deux. Je suis à la passerelle, et c'est pas vous. Ils ne leur ont laissé aucune chance. Je vais déverrouiller les portes pour que vous accédiez à la salle des moteurs. Essayons de nous rejoindre là. Là, on est dans le vaisseau, alors. Hein. On est bien d'accord. Ah oui, mais on n'est pas dans les Chimeras, c'est ça que je veux dire.
On cherche leur navette à eux, quoi. Pour se sauver. Depuis tout à l'heure, on voit des... Oh, il me dit d'aller par là, mais moi, je vais aller par là. À moins que ce soit par où on vient. Ok. C'était où on était tout à l'heure. D'accord. Il va bien nous demander de faire une saloperie comme ça tout à l'heure. Quoi? Where? Non. Il est en train de transformer un mec. C'est vraiment un enculé, ce petit papillon de nuit. Papillon de lumière, papillon de nuit, oui, papillon de merde. Ah oui, non, j'ai eu peur. Je crois qu'il fallait tous trop taper. Non, il faut que je le baise. Il faut... Enfin... Personne parlait, évidemment. Je vais quand même pas baiser un papillon de nuit, quoi. Mais non, il me tue en un coup. On avait bien joué, c'était du bien joué là. Putain, j'ai 75 balles. Qu'est-ce qu'il y a? On lui met du choc quoi. Je crois qu'il arrive directement sur lui. Hein. On peut pas s'en débarrasser eux. Ah, mais voilà! Mais voilà comment on va te baiser! Puis même, on va les détruire! Comme ça, tu pourras rien en faire! Voilà! Regarde comment je suis malin! On pourra pas les transformer comme ça, oh. Ce sera pas dit que tu vas nous baiser. Bon, ça prend un peu plus de temps, mais... Voilà, il se passera plus rien, là. Bon, il est où? Ah voilà. Et voilà. Quand il y a des cadavres, bon à savoir, on les détruit. Ouais, je me refais une sève, je suis désolé. Quand il y a des cadavres, putain, j'aurais dû penser, mais je sais pas pourquoi, ça m'a juste...
Il y a juste maintenant là où je me le suis dit. Attendez, on n'est pas si con que ça. Là, il y a une pièce qui est fermée, il y en a une qui est ouverte. Excusez-moi du peu, mais... Il nous dit d'aller... Ah oui, ouais, donc on est obligé de le faire, quoi. Et puis celle-là, c'est celle où il y avait le feu. Ouais, voilà, ok. On perd pas de temps. Je vois que déjà sur le chat, ça s'énerve. Bon, tu m'ouvres, là? Bon. Ça te plaît pas, celle-là, la batterie, là? Ah, quand même. Non, elle est un peu grosse. J'aime pas le voltage. Monsieur Clark, j'ai besoin de vous parler. Ah? Je m'appelle Terence Kine. Enchanté. Docteur Kine. Enchanté. Écoutez-moi, le temps est compté. Si vous pouvez réparer cette navette, je vous conseille de ne pas l'utiliser pour fuir. Comprenez-moi bien, les forces que nous affrontons, elles nous dépassent complètement. Si vous partez, l'humanité entière est perdue. Ça ne s'arrêtera jamais, jamais plus. Le monolithe est le seul espoir. Vous voyez, l'église a tort. Le piège se referme sur nous tous. Pitié. Vous devez m'aider. Bon. Pour l'instant, c'est pas trop... On sait pas si c'est du lard ou du cochon. Ce qu'il nous raconte. On va en savoir plus. J'espère que c'est pas un fanat du monolithe. Qui c'est qui a mal, là? Et quelqu'un qui a mal. Quel jeu excellent, hein. Pareil, ça en détruit. Hein. Ça, c'est bien. Trancheur, ça. Oh putain, magnifique. Il nous en refile deux. En plus, on l'a upgradé niveau 3. Hein. Et là, regardez. Ouais, et je suis pas fou. Voilà, je suis pas fou. Je suis fou pour plein de trucs, mais pas pour ça. Hein. Là, je l'avais vu. Hein. Je peux vous dire, je l'avais bien vu. Bon, il y a une navette ou pas là? Tiens, bah on va se mettre là. Ici, commandant Cunningham. Une présence hostile à bord. Ce n'est pas un exercice. Hostile, inconnu, je répète. Inconnu et très dangereux. Pour tout l'équipage, préparez vos armes et soyez prêts à tirer. J'ai l'impression qu'on s'en est bien sorti. Enfin, pour l'instant. Putain. On va se faire tuer par les petites bêtes. Hein. C'est pas possible. Hein. Il y en a encore une là, je vois en haut à gauche. Putain, mais c'est pas possible, elle va nous tuer quoi. Elle est toujours pas morte. C'est bon là? Putain. Je l'aime pas le cadavre là-bas. Là, viens là. J'aime pas le cadavre là-bas. Je vais le démembrer. J'ai toujours peur qu'il y ait un papillon. Maintenant je vais être parano sur tous les cadavres. Ok. On n'a pas de points, hein. Pas de vie. On a pas de points, on a pas de vie. Ah si, on a de la vie. Un tout petit peu. Pff, marche pas là-dessus, Romain. Qu'est-ce qu'on entend encore? Quoi, il y en a encore un?
Je l'entends, hein. Qu'est-ce que ça fait? J'ai pas utilisé des munitions pour faire ça quand même. Ah si. Bon, je le fais. Je le fais avec la mitrailleuse, quoi. Vite fait. Ah, fallait pas tuer les bibelots. Ah, on a les balles limitées. Je le refais, puis on essaye de pas tuer le bleu, quoi. Je me souvenais plus de ça. Non, lui on le tue pas. C'est bon, on a 1000. Et alors? On a gagné des balles d'assaut. C'est quoi ce truc? Ça va être là, là. Je me souvenais pas du tout de ce truc là. Et là il nous a donné quoi? Énergie plasma. Bon, on va pas passer notre vie là dessus. Allez, on se casse. Et là il y avait... Oui, là il y a un point de force. Je savais bien que j'avais vu un point de force quelque part. Je savais bien. Allez. Et on avait dit que le découpeur à un moment donné... Putain, et après on aura le plus de dommages. Allez, on le fait. On le garde, si des fois il y a une salle. Capacité et le trancheur, ça c'est la mine, mais la mine on s'en sert jamais. Ça c'est la recharge, la vitalité, la vitesse du cutter plasma, la recharge ça on s'en fout. Et c'est, voilà, bon, ouais. on le garde parce que de toute façon ils nous en font deux, on va le garder au cas où on aurait besoin. Attends, on est resté un petit bout de temps ici, je suis désolé. Putain, j'ai failli crever là comme un con. Ça serait bien qu'avec le découpeur, on ait une... Il n'y a pas un petit truc à ramasser, là? Surpris, quand même. Bon, excusez-moi, là. Il y a eu un petit relâchement. Ah, oui. Ça pique. Ouais, bah viens, là. Enfin, pas toi, pas la jambe, mais toi. Alors, c'est pas personnel, hein. C'est que maintenant on a peur des... Ça veut dire qu'il va y avoir encore... Remarque, de les démembrer, ça sert à rien, en fait. C'est les mettre les uns à côté des autres qui est utile. Ça m'évite d'aller à...
de poursuivre le papillon. Voilà. Ça, ça me plaît. Bien fait d'attendre. Bon, ça, on peut le récupérer. C'est schéma de quoi? Kit de soins max. Ça, c'est bien. C'était sûr. Non mais j'aurais dû mettre la stase. Oh ça va. Ça va jamais arriver vous prendre les pieds dans le tapis. Hein. Et celui qui s'est jamais pris le pied dans le tapis me jette la première pierre. Putain, j'avais même pas fait gaffe à lui. Les salauds, les salauds. Ils savaient que j'allais venir. Putain, ça, ça c'est vicieux. Ça j'aime. Ça vous êtes des enfoirés, ça j'aime. Alors toi bien sûr ça te fait marrer le chien. Voilà. Ah par contre là il a lâché de la vie. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'y aller? Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut pas être quelque chose de fantastique. Attends. Ah mais c'est fermé, de toute façon on est obligé de le faire. Ouais c'est cool. Il s'est fait baiser tout seul. Allez, quand il est là, on le fait. Ok, donc on est obligé. Hein. Ok. On recharge ça. C'est marrant, j'ai plus aucun souvenir de... De quoi, de quoi, d'où? J'ai bien joué là. Je suis désolé, là je m'envoie un petit peu des fleurs. Mais j'ai envoyé le lame de découpeur. Du coup j'ai fait des économies en plus. Je me suis pas fait toucher. C'était pas évident. Ça aurait pu être une séquence où, où je meurs en boucle. Et ça a pas été le cas. Et en plus on s'est remis beaucoup de vie. On n'est pas trop mal. Ce qui veut dire qu'au prochain plan, notre découpeur est plus puissant. Hein. Ce qui est quand même une excellente nouvelle. Bon, petite sauvegarde. Quoi? La musique qui s'emballe au moment où... J'ai envie de faire pipi. Alors ce qui est bien, c'est quand j'ai envie de faire pipi... Vous le savez déjà pour ceux qui me suivent. Déjà ceux qui me suivent ou ceux qui me suivent pas, ils peuvent me follow. Hein, ça me ferait plaisir. C'est très gentil. Maintenant, regardez ce que j'ai fait. Là, déjà, on va passer en... Voilà. Là, c'est plus intimiste. Attends, je mets pause quand même. On a le son du jeu quand même.
C'est très bien. Je vais aller faire pipi, je reviens, je reviens tout de suite. Et je vous ai mis une petite musique pour vous faire patienter. C'est pas formidable ça, hein, la technologie. Voilà. On va pouvoir se remettre. Je me remets bien. Voilà. Bon, le chien, ça va toujours comme tu veux. Hop. Ah, autant pour moi. Ça me fait ça parfois. Il veut plus. Il veut plus. Excusez-moi. Voilà, je sais pas pourquoi. Des fois, ça me. D'ailleurs, si quelqu'un peut me dire un jour dans le chat pourquoi ça fait ça. J'ai du mal à faire des fois la transition. On veut pas se faire. Le OBS. Pas OBS, hein, Streamlabs. Là par exemple ça fonctionne très bien, mais des fois quand je suis sur le jeu, bah il veut plus. Bon, ça fait qu'un mois que je stream, hein. Encore des petites subtilités qui m'échappent. Bon, c'est reparti. Alors toi déjà tu viens. Tu restes là, toi. Comme ça, si un papillon de nuit, papillon de lumière, tu vas être déjà bien plus à l'aise. Ah, je sens que ça, c'est une salle de fight. On va gérer ça tranquillos. C'est plutôt bien passé. Putain, on a eu un bol monstre. Oh là 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 là, quel enfer. Là, ça va être l'enfer. Je trouvais ça assez simple
Et en fait, non, 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 bien sûr que non. Ah putain. Évidemment que non. Ouais, bah c'est pas le moment de me donner du pognon. Hein. Déjà, si on se met dos au truc, ça peut éviter bien, bien des soucis. Ceux qui m'attaquent dans le dos, par exemple. L'idée était bonne. L'idée était bonne de se mettre au dos une espèce d'émanation là qui tue. Si on se met dos à ça, c'est quand même une très bonne idée. Lui, le cadavre, vraiment, je le sens pas. Je pense qu'il est là pour me faire chier, qu'il va y avoir un... Comment dire? Un papillon. Donc on... Pardon, mais toi, tu fais plus partie de la partie. On va essayer d'être efficace. C'est pas simple. Hein. Ça serait vous mentir que vous dire que là c'est simple. J'ai besoin de votre soutien là. Besoin de petits mots d'amour dans le chat là. Pour vous mentir là. Bon, on a vu pire, on a fait pire. En train de penser à comment j'allais gérer les mecs après et... Ah là 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 là.
maintenant. J'ai plus de... Ils sont 5 milliards encore. J'étais dans le menu. C'est quoi ce bordel? Pourquoi ça a été dans le menu? J'ai survécu là. Mais merde, putain, c'est ça tout à l'heure. C'est vraiment chaud chaud. C'est vraiment chaud chaud. Heureusement que je fais. Que je suis quatrième dan de Taichi. Verrouillage initialisé. Thank you.
Putain, j'ai réussi. Faut pas faire le con. On va garder ça. Verrouillage levé. Oh là là. Chocho cacao, hein. Chocolat, hein. Putain. Là, je suis pas mécontent d'avoir passé le truc. Hein. Là, s'il y a des gens qui me follow, qui me regardent, ils pourraient me follower. Hein. Parce que franchement, ça valait le coup et le spectacle était, était joli. Ah, et voilà pourquoi ça m'a. Juste là, j'ai merdé. Regardez. Parce qu'on a, lu le message là. Et en plein combat, bah, lire un message, bon, bah, c'est pas ce qui se fait de mieux. Mon Dieu! Fou. Confidentiel, priorité max, 2, armée de défense terrestre, à commandant Cardigan, opération Grande Lumière, lieu, système Aegis, planète A confirmée, objectif, purification, vaisseau, CSE, USG, Ishimura en violation d'ordre gouvernemental, aurait retrouvé Monolith 3A, force spéciale confirme le système, mais ils n'ont pas localisé la planète exacte, prudence conseillée, menace hautement probable d'infection mortelle si Monolith 3A découvert, voyage lumière vers Aegis, ronde camouflé et attendre un signal de l'Ishimura pour confirmer position. Ok. Alors on sait pas si en violation, d'accord, mais ils ont envie de récupérer le monolithe aussi ou quoi? Quoi ou qu'est-ce? Putain, là je suis content. Hein, ça aurait pu être un passage bien tendax. Ça l'a été. Hein. Qu'est-ce qui nous manque là? On est comment là au niveau... ça on peut le revendre. On a le schéma kit soin, on a encore plein d'armes, on a ça, on a une recharge moyenne de... On a encore un peu de vie, on a 2 points. Moi je serais d'avis qu'on se rachète, vu qu'on est des foufous. Voilà, on peut acheter des kits de soins max maintenant. On sera pas acheté le méga PK ni rien, hein. On aura joué qu'avec 4 armes. Normalement, elle est un point de force. Évidemment. Ouais, on aura joué avec les 4 armes de base. J'ai envie de dire. De base. Ah, ça donne envie de faire une petite partie plus, quoi. Ça, c'est, là, c'est l'histoire du mec à mal. Hein. Mais on sait pas où il est. Ah bah si. Qu'est-ce que tu fais à l'envers, mon coco? Comment c'est possible? Hein? Pour m'expliquer? Comment est-ce donc possible? Allez, je sais pas combien il y a de chapitres, il doit y avoir une douzaine, peut-être 13. Allez, encore des petites... Il me file beaucoup de lames découpeurs, qu'est-ce qui serait passé si je l'avais pas acheté? Et où tu vas, mon coco? Okay, il me file pas mal de soins, bah oui, parce que je suis censé être dans la merde vu la salle que je viens de me taper. Bon, on a 3 points, hein. 3 points de force. Donc, s'il y avait une petite machine, ça serait bien.
Alors, je sais que je peux les localiser sur la carte, mais ça me fait chier. Voilà, je préfère être franc. Ça me fait chier. Et je cache ma croix hein, parce qu'on vit dans des temps troubles où le prosélytisme catholique est très mal vu. Alors, dites-vous que je suis athée. Hein, voilà, comme ça, vous allez. Tout le monde va mieux dormir. Je suis agnostique, je suis anarchiste. Je suis anarchiste, voilà, comme ça, là, je rentre bien dans les codes. Ok. J'aime bien cette salle-là. Elle paye pas. Enfin, y a rien de spécial, mais je sais pas. De toute façon, le jeu depuis le début ne se répète jamais. Hein. C'est. Encore une fois, hein, c'est un plaisir. Alors, je sais pas à quoi sert exactement cette salle. À part faire du bruit. Attends, que je fasse pas le con. Hein. Ouais, voilà, ok. Parce que moi, je me vois bien faire le con. Hein. La toucher. Ah si. Là, je vois qu'il y a un point. Ah non, j'étais perçu. Ah si, si, si. Hein. Je suis pas fou, c'est un point. C'est un point de force. Ah voilà, faut le casser ça. Bon, j'imagine que c'est pareil de l'autre côté. On va faire la même chose, hein. Ça suffit pas. Ah, je suis con, il en restait un autre de l'autre côté aussi. Mais là c'est vraiment dégueu. Vous savez quoi, voilà. Bon, je préfère. Amy, je préfère parce que j'ai perdu un point de vie pour que dalle quoi. Amy, je préfère. Hein. Amy, je préfère. Alors, faut être con. Bon, allez hop. Bon, on change de. Non. Ah putain, mais faut. Ils pourraient nous garder nos loot quand même. Hein. Ça leur coûte quoi là? De faire une petite save juste après les loot. Ok. C'est vrai que là en hard, comme on a beaucoup moins de sous, le choix des armes il est. Ben, il est important. Et puis par contre, après, ce qui est bien, c'est que on. Si on a une. Une partie à refaire, New Game Plus. C'est sûr que ça donne envie de refaire un New Game Plus pour tester les autres armes.
On doit y avoir un troisième alors. Non, qu'est-ce que j'ai branlé? Mais quoi? Non mais mourir deux fois la suite pour un truc aussi con, hein, je suis vraiment désolé, c'est pas au niveau, c'est pas au niveau de ce que je vous offre d'habitude. J'en ai bien conscience, hein. C'est moi le premier peiné, hein. C'est pas au niveau de ce que je vous offre d'habitude. On n'est pas au niveau là, Romain. C'est pour ça que les gens se font si discrets là ce soir. Ils ont bien senti qu'il y avait un souci. Donc pour le coup, on va faire celui-là en premier. Puis on va y aller tout doux. Je trouvais ça bizarre que j'y arrive bien du premier coup. Je trouvais ça curieux. Non, on va pas utiliser cette arme là. Bon, on va faire attention. J'imagine que les mecs en speedrun. Après, je vais me mater le speedrun, ça va me faire un bien fou. Enfin, pas là après. Oh putain, mais. Il est trop tard là. En fait, il est tard. Je commence à fatiguer. On aura perdu quand même. On aura perdu un de la vie pour pas grand chose. Oh. Bon, il est tard. On finit ce niveau. Et puis, en fait, là, je fatigue. Voilà, il est 2h. Ça fait 2h30. Ça fait 2h30, j'en suis pas moins humain. Cela mourir sur un truc aussi con alors qu'on vient de se taper une salle impossible à faire en 3 fois, ce qui est pas trop mal. Non mais j'essaye d'aller trop vite, allez. On reste collé au truc. Bah allez, par contre. Maintenant je deviens parano quoi. Ouais, je préfère utiliser ces petites armes là. Et putain. Bon ça va, il m'a pas pris trop de... En fait, tout à l'heure, il y avait l'insouciance de pas avoir peur de mourir. Enfin, on en a fait que deux, là. Où sont les autres? J'en ai loupé un? Oui, j'en ai loupé un. Un truc tout bête devient très dur. Crever 4 fois là sur un truc comme ça, mais bon bah voilà, déjà j'avais 5000, enfin, le pot de followers que j'avais là, ça y est, ils sont partis, hein. Puis je les comprends, moi-même j'ai envie de me désabonner de ma chaîne, alors. Faut dire. Non bon allez, on arrête les conneries. On reste collé au truc, on fait ça bien. Déjà si on respectait les temps de... Voilà. On n'avait pas pris le jeu au sérieux en fait là. Là, on le prend un peu plus au sérieux. En fait, c'est le jeu qui nous a rappelé. Oh, Coco, tu crois que tu joues à quoi là? T'es en train de jouer à Dead Space en dur. Hein. Non, mais maintenant, j'ose même plus reculer.
Ok. On fait la même. On fait la même. On prend notre temps. Oula, voilà, voilà. J'ai failli faire le con encore une fois. Hein. C'est fou ça d'être con comme ça. Hein. Allez, voilà. On attend que ça fasse ce petit bruit. Je peux pas l'avoir là. C'est bon là. Ah, c'est bon. Ouf. Non, ça on peut rien faire. Y a pas un petit truc à looter. Ah, réacteur. Vous voulez qu'on prenne un réacteur ? Énergie insuffisante. C'est bien ça? Oh mon dieu! C'est bien ça! C'est la pièce manquante! Au pont d'équipage! Ah oui, on a le réacteur pour nous, quoi. Ok. Au pont d'équipage. Ok, ok. Oula, oula! Mais quoi, on peut pas les prendre les caisses du coup? Non, y a rien dedans. Allez. Ah si, on peut quand même les prendre. J'ai eu peur. Oula, oula, ça sent. Quand il y a les grandes salles comme ça, hein. Là, c'est fermé. Ah, je savais bien que j'avais loupé un truc. Elle me refile des loupers. Allez, on y va. Hey, salut mec. Par ici. J'ai pas vu vous joindre à côté de la radio. Vous avez trouvé le réacteur, c'est notre premier retour. Oui. Emmenez-le à la navette. N'attendez pas. Oh, mon Dieu. Ah, il est derrière une vitre. Qu'est-ce qu'il y a, y a des mecs qui m'emmerdent derrière moi? Non. Oh là là. Allez. Je suis idiot, mais alors idiot. J'en ai un peu ras le cul là, je vais pas vous mentir. Y a pas de save, un peu. Pourtant je sais le tuer lui, hein, mais j'ai pas de stase. Alors ça va être un peu plus compliqué. Non mais c'est full shotgun et puis lui tirer dans le dos. Oh, mais normalement il se met en mode... Ouais. Normalement on lui tire dessus puis il se met en mode bon je me cache. Là il a plus envie quoi. On peut peut-être se casser sans avoir à l'affronter.
Bien sûr que non. Oula là là. Allez, cours, 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 Forrest. J'ai voulu être trop gourmand, j'ai voulu être trop greedy. Résultat des courses. Je me suis dit... Ça passe. Putain. Putain. Mais merde, qu'est-ce que je fous ? N'importe quoi. Putain. J'ai du mal. Ah, je vais mourir. Il est plus costaud que d'habitude, hein. Mais qu'est-ce que je fous? Ah, je commence à fatiguer. Je commence à en avoir ras le cul même. Ouais, je suis fatigué là. On a ras le cul. Le problème, c'est que je peux pas mettre pause. Je suis obligé de le tuer.
m'as fait là. Mais en fait, on pouvait le bourriner. Il n'est plus aucun signe d'Amand. Il est mort. Ah bah ouais. Oui. Un petit peu. Oula, que je meurs pas ici, moi, dans les flammes de l'enfer. On est tout seul, on n'est plus que tous les deux. Bon allez, on se casse. Là je commence à être fatigué, mais en fait avec les lames ça l'a effectué quoi. Là il me dit de passer par là, mais j'ai envie d'aller voir là-bas. Sachant qu'on a 3 points de force hein. Non, là c'est fermé, vers caserne. Non, il veut pas. Il veut pas. Voilà, allez, on se casse. On casse. Ouais, ouais. Chute critique dans les réserves d'énergie. Évacuez le vaisseau immédiatement. Oui, oui. Ça me fait penser à Dead Space 3, là, ce passage-là. Dans les flammes, pardon. Dans les flammes. Allez. Alerte. Chute critique dans les réserves d'énergie. Évacuez le vaisseau immédiatement. Oui, oui, on va faire ça. Allez. Alerte. Fuite critique dans les réserves d'énergie. Évacuez le vaisseau immédiatement. Allez, on se casse du vaisseau, t'inquiète. Ouf. Ça c'est bon. Alerte. J'espère que le son sera bon et. Évacuez le vaisseau immédiatement. Et que l'immersion sera bonne. J'ai l'impression que ça gueule un peu, mais bon. Au moins, il sera passé des choses. Si le son est trop fort, je le baisserai. Ah oui, d'accord. Allez, on se casse. Oui, oui, on s'en va. Ah mais oui, c'était une voix d'homme parce qu'on était dans un vaisseau d'homme. Allez hop, on est retourné. J'ai vu par où faut qu'on aille. Je suis en train de faire un peu n'importe quoi, mais ah voilà. Oh ça va. Voilà, allez on se casse. Comment ça il veut pas? Ah voilà. Allez c'est bon. On se barre de ce putain de vaisseau, on le regarde une dernière fois. J'adore ces passages sans bruit comme ça là dans l'espace. C'est vraiment mortel. Eh ben non, ils sont contents de me revoir, hein. Allez, Shimura. Est-ce qu'on a des trucs à revendre? Semi-conducteur diamant, bah oui. Inventaire, on a un kit de soins moyen, un petit. Recherche, recharge moyenne. Arme d'assaut. On a 3 points. On va se reprendre un. On va se reprendre un point de force. Ça, on en a 4. On a combien de... Non, ok, 4 points là, c'est parfait. On va être bien là. Dès qu'on va retrouver un plan de travail. Allez, on se casse.
Parfait, on aura fait 2 chapitres. En 2h40, ouais. Ah, on joue en dur, hein. Donc on peut rajouter 40 minutes. Épisode 9, mort à l'arrivée, terminé. Parfait. Oui, s'il vous plaît, une petite sauvegarde de... Ah, celle-ci, elle est pas de confort, hein. C'est une sauvegarde nécessaire. Allez, connectez les unités d'énergie pour activer des portes ou des systèmes. Épisode 10, la fin des temps. Ok, donc là, on est au bout. Eh ben écoutez, mes bons amis, hein, on va se laisser ici. Je vais vous souhaiter une agréable nuit. Merci pour ceux qui sont passés ou les curieux qui étaient de passage. N'hésitez pas à me suivre, hein. Tout est indiqué. Comment je peux faire? Tout est indiqué là. Voilà, hein, à côté du chien. Mon Instagram, Bosson14, enfin voilà, vous avez l'habitude, tout est marqué, tout est au nom de Bosson14, voilà. Et si vous voulez être ami avec moi, eh ben écoutez, hein, on ira 50 amis, on fera une grosse bamboula. Allez, je vous embrasse fort et prenez soin de vous. Moi je suis claqué là. À bientôt, à demain.